9 mai, voici ce qu'on surveille pour vous dans votre info web. À Mont-Saint-Hilaire, la Maison amérindienne vous invite à l'exposition « Nipatouille, la nature ». René Derouin, Jocelyne Fizet, Réal Calder, André Michel et Jacques Néwachiche exposeront leurs créations pour vous sensibiliser aux dangers que vit la nature à cause de certaines activités humaines nocives. L'événement sera axé sur l'érablière urbaine de la Maison amérindienne, lieu de référence nationale pour la culture de l'érable. Le pianiste Richard Abel sera de passage à l'église Saint-Mathieu de Belœil pour un concert bénéfice. L'artiste présente son tout nouveau spectacle Autour du monde dans lequel générations et styles musicaux se mélangeront parfaitement. Vous plongerez dans la culture musicale de la France, l'Angleterre, la Grèce, l'Argentine et plusieurs autres pays. Les profits générés iront à la Fondation Partage Vallée du Richelieu des Chevaliers de Colomb. À McMasterville, les enfants sont invités à participer à l'activité L'heure du conte. Une fois par mois, la conteuse Anne-Marie sera sur place pour raconter une histoire aux tout-petits en soirée. Les enfants pourront être vêtus de leur pyjama et accompagnés de leur toutou préféré. La présence des parents est obligatoire. À Saint-Mathieu-de-Belœil, les inscriptions pour le camp de jour sont en cours et ce jusqu'à la fin du mois. Le camp de jour de la période estivale se déroulera du 25 juin au 16 août. Une foule d'activités seront au programme et chaque mercredi, une sortie spéciale sera prévue comme le cinéma de Belœil ou encore le laser tag. Pour connaître la programmation complète, consultez le site de la municipalité sous l'onglet « Loisirs, camp de jour, estival ». Ce soir, à la programmation de TVR9, 17h30 dans la vallée. Sur ce, on se retrouve demain pour un autre InfoWeb.